bienvenue à Las Vegas pour votre flash des WSOP. Une journée magnifique nous attend. Romain Lewis est en table finale d'un gros tournoi turbo. Gaël Bowman m'a lancé un défi à base de hot dog. Et puis on a pu aller voir un match des Las Vegas Raiders. La table finale du main event a débuté derrière nous, mais aujourd'hui ce n'est pas à ça qu'on va s'intéresser, hein, Romain Lewis. On va jouer le set left du 10K Turbo WSOP, allez. 307 joueurs au départ avec quelques stars en finale. On peut notamment voir Steven Chidwick qui élimine Dario Sammartino, As-3 contre As-6, il trouve le 3. Ça va vite, très vite, et Romain Lewis est rapidement assuré d'un prix à 100 000 $. Short stack, il envoie régulièrement son tapis, et comme le dit Mustapha Kanit, restez en constant. Et les cartes vont ensuite dans le sens de Romain, Dame 9 contre Dame 8, ça tient contre Steven Chidwick éliminé 3ème, Romain Lewis étant heads up. Allez Romain. 10 et 9 chez Romain Lewis contre As-3 chez son adversaire, et pan, 10 sur le turn, c'est l'explosion, vous ne rêvez pas, Romain Lewis est champion du monde et remporte 463 000 $. Je suis trop content. On vous sait, fan de cartes, une version plus longue de cette finale avec toute l'ambiance arrive sur YouTube, mais moi il y a Gaël Bowman qui m'attend un peu plus loin, elle veut me lancer un défi. Je te parie $20, mais t'arrives pas à gagner de l'argent déguisé en hot dog. Comment ça, en hot dog? Mec, claque des doigts et tu verras. Do you want to take a picture with hot dog man, ketchup, mustard, I've got everything. A picture, une petite photo là. Do you want to touch my sausage? Non, pas ça. $2, $5, $10. Ta famille elle va être noircie sinon toute ta vie. Oh les gourmands. Ah non, lui il va vraiment me bouffer lui. Oh, ça va marcher. Oh, nice, thank you. Oh. Merci, hein. Super défi. Bon, j'ai réussi au moins. Bravo, bien joué. Respect, c'est mérité. Tiens. Oh là, la séquence gamble qui passe à l'aide des hot dogs. On va en manger d'autres du côté du tout nouveau stade de Las Vegas. Tu veux croquer? Et bienvenue à l'Allée Giant Stadium. Le stade est sorti de terre en juillet 2020. C'est tout frais et il est juste le plus cher du monde. 1,8 milliard de dollars la construction. C'est un bijou de technologie qui peut accueillir jusqu'à 64 000 personnes. Aujourd'hui, on va suivre un match de foot américain. Las Vegas Raiders, let's go! Les phénoménales, mais l'ambiance était ouf. Ce sera aussi le cas demain pour la conclusion du main event. On sera évidemment là pour suivre ça. Salut!